Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux ou de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais c'est s'il s'aggrave. Si vous avez des problèmes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. C'est un message ministère chargé de la santé et de santé publique France. Super! Coucou les amis! Coucou les amis! Ça va bien Nathan? Oui! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Nathan. Alors, c'est basé sur la propreté, donc on va faire des petites expériences sympas pour te montrer à quoi ça sert de bien se laver les mains. D'accord? Donc là, on a une expérience simple que plusieurs personnes ont déjà vue. Donc, on a un saladier avec de l'eau, on va mettre du poivre dedans et Nathan va tremper son doigt sans savon. Donc, on va voir ce que ça va faire, si ça fait une réaction avec le poivre. Et après, avec le savon, voir ce que ça fait. Ça marche? Allez, c'est parti. Donc, on va mettre le poivre. Hop. Voilà, je pense qu'il y en a suffisamment. Donc on va regarder. Hop. Ça pue. Voilà, donc on a le poivre. Donc tu vas tremper ton doigt au milieu. Voilà, ça fait rien du tout. Tu vas retirer ton doigt. Voilà. Donc on va essuyer le doigt. Voilà, et maintenant tu vas refaire la même chose, tu vas plonger pile poil au milieu. T'as vu? Hein? Ça, c'est parce que ton doigt, il est propre. Et du coup, ça fait une réaction. T'as vu? Ouais. Ça t'a plu? Ouais. Donc, tu vois l'importance de bien se laver les mains? T'as vu avec ton doigt, avec le savon, ce que ça a fait? Allez, on va en préparer une autre. Voilà pour la seconde expérience. Donc, du coup, Nathan, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tremper tes mains dans les paillettes. D'accord? Et tu vas aller jouer dans ta chambre comme d'habitude. D'accord? Tu touches à tes jouets, tu fais ce que tu veux comme d'habitude. Ça marche? Allez, vas-y, trempe tes mains. Tu veux voir ta main? Ok, l'autre. Voilà, secoue un petit peu tes mains dans l'assiette. Voilà, frotte-les. Voilà, c'est parfait, fais voir tes mains. Nickel. Maintenant, tu peux aller jouer. Non, c'est pas grave, tu peux aller jouer et on se retrouve tout à l'heure. Much later. Voilà, après une petite heure avec les paillettes, on peut voir ce que ça donne. On en a un petit peu partout. Sur Woody. On en a un petit peu partout, même par terre. Donc tu vois Nathan, toutes les paillettes que tu as sur les mains, c'est comme si c'était des microbes. T'as vu? Tu en as mis partout. Partout, partout, partout. Il y en a sur la poignée de porte. Donc à chaque fois que tu vas toucher la porte, tu vas avoir des microbes. À chaque fois que tu vas réutiliser ton jouet, tu vas avoir des microbes. D'où l'importance de bien se nettoyer les mains. D'accord? On va se nettoyer les mains maintenant pour faire voir comment on frotte. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti Nathan, on peut y aller. Voilà, on frotte bien correctement. C'est bon? Ouais, de ce côté-là, c'est bon. Ensuite? Maintenant, il faut faire le pouce bien fort. L'autre. Maintenant, il faut faire là. Là. Après, il faut faire comme ça. Voilà, entre les doigts. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Entre les doigts, voilà. On frotte bien. Et une fois qu'on a tout partout, on rince. Et voilà. On a des mains toutes propres. Et là, normalement, t'as plus de paillettes. Oui, plus de microbes. Plus de microbes. C'est comme
ça quand ça vient les mains. Super. Allez, on va dire au revoir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner juste ici. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Faites attention à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, ciao. On en a même retrouvé sur sa petite bouille, la bouille de son petit frère. D'où l'importance de bien se nettoyer les mains. Allez, bisous les amis, ciao.